Watashi, watashi, watotemoshi, awasene. Anatano a ini chuchumarete lukara. Tutinawa amu anasanaide o gaha keru made. Futari de tsuku imasu tsushi omoi de. Turube, check, 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 check. Bon, du coup, on arrive au supermarché asiatique et du coup, on va acheter plein de trucs. Il y a trop de trucs. Voilà, t'as pris un panier. Non, j'ai oublié. Pour prendre un panier et on va prendre plein de trucs. Donc, elle va choisir des trucs pour moi et moi, je vais choisir des trucs pour elle. Et ensuite, on va tourner la vidéo, on va faire goûter nos trucs. Ouais, donc, c'est parti. On commence par le début, non? De toute façon, c'est pas le truc qu'on va prendre. C'est des épices, donc inutile. Bah ouais, inutile. Bien. Ça y est, on a fini les cours, donc on a tout ça. Et en fait, quand on était à la caisse, on a demandé à la meuf c'était quoi ce truc là, savoir à peu près. Et elle nous a répondu en chinois, Shenshan. Donc on lui a dit, c'est quoi, on comprend pas le chinois. Et elle s'est énervée, elle a redit, Shenshan, t'es vert. Comme si on comprend. Bon, maintenant, on va aller se poser et on va aller goûter. On va aller goûter tout ça. Voilà, voilà. Bonjour à tous, c'est Liam Cooper et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on tourne une vidéo cuisine avec Sarah. Donc, il y a quelques mois, on avait tourné, je crois, au mois de décembre, ça date. Hein, une vidéo où on avait fait des Whoppers en mode Burger King, c'était complètement catastrophique, on avait raté la recette. Mais ils étaient trop bons. Ils étaient super bons. Alors c'était très bizarre. Ouais, c'est vrai qu'ils étaient bons, mais on avait complètement raté. On va manger des produits qui sont déjà faits, du coup, on a acheté des produits chinois qu'on ne connaissait pas, qu'on n'a jamais mangé. Oui, on n'a jamais goûté. Donc, on en a choisi un peu chacun. Donc on a des boissons, on a des gâteaux, des sortes de chips, enfin comme des bonbons, on a des petites bouteilles Pikachu, voilà, pour les moches. Et on va les goûter en direct avec vous, donc c'est parti. Alors c'est parti, qu'est-ce que tu veux commencer moi, je veux à goûter? Ça là, ça m'a toujours intrigué. Donc je sais pas si vous le voyez bien, c'est genre, je sais pas, on dirait un chamallow, mais un œuf, je sais pas, tiens, goûte-le. Trop bizarre. Alors en fait, comme les boissons, elles sont un peu chaudes, donc par exemple le Fanta, là j'ai un verre avec des glaçons. Ah. Bon, je vais goûter quand même. Attends, mais coupe-le en deux. Il crache pas. Ah non, c'est... C'est quoi? Attends, je vais goûter. C'est comme si on mangeait de l'herbe, de par terre. Non mais c'est bon, hein. Ah, je vois bien. Je vais ouvrir mon nouveau Fanta à la fraise. Moi, c'est au raisin, mais je vais le mettre dans le bac des glaçons. Tu veux enlever des glaçons, non? Non. Bouton. Trop bon. Franchement, c'est bon, mais... C'est pas gazeux. C'est très bizarre, en fait. C'est le premier Fanta que, c'est le premier Fanta que je goûte qui n'est pas gazeux. Mais il est trop bon. Bah moi, c'est un goût de du Red Bull bleu. Tiens, goûte. Je goûte le tien. C'est à quoi, la framboise? Ah, il est plus meilleur. Le tien, en fait, on dirait de la grenadine gazeuse. Et ça, c'est le goût de... Vous savez, les sucettes quand on était petit avec les chewing-gums dedans. Ça, ça, comme goût. Bon. Mais ça, par contre, immangeable. On goûte quoi maintenant? Alors... ça, on dirait des pop-corn, mais sucré. Moi, je sais pas ce qu'il y a. Je voulais bien qu'on goûte cela. Bon, on goûte cela. C'est des chips vertes. Montre. Aux haricots. C'est ça. Ma boisson, elle est trop bonne. Minuscule, regarde. Allez, goûte. Alors, à l'odeur. Des chips, quoi. Des chips salés. Moi j'aime pas. Bah y a pas de goût, c'est du sel. Non mais j'aime pas. Mais ça a pas de goût, c'est sérieux? Non, j'aime pas. C'est juste salé. En fait je trouve que c'est trop épais et bizarre. J'aime pas, dégueulasse. Bon. Alors ça, ça m'a toujours intrigué. Ça me fait penser, vous savez,
dans les séries aux États-Unis en prison là. Ça s'appelle comment? La gélatine. Du pudding. On n'a même pas de cuillère. Ah ouais? Il n'y en a pas dedans? Bah, ah si, on a. On en goûte qu'un, non? Ouais. Mais c'est du truc. Alors. Litchi. Oh. Perk. Tu renverses tout. Bon, c'est pas grave. Et voir. Ah, ça a pas l'air très bon. C'est de la gelée en fait. De la gelée au litchi. Ouais. J'aime pas. Mais t'aimes rien. Juste qu'on a mangé, elle aime rien. On dirait que c'est du gras. Bah non, je sais pas. Ouais. Berk, dégueulasse. Mais après, tu remanges. Non, je pose. Ah. C'est dégueulasse. Bon, en fait, là, pour l'instant, t'aimes rien, quoi. Non, j'aime rien du que tout. Que la boisson. Ouais. Bon, ensuite, choisis à toi. Bon, attends, moi, j'ai une goûter ça. Pour la fin, ça. Ah non, j'ai envie de goûter ça. Depuis tout à l'heure, je sais même pas c'est quoi. C'est des chips. Je crois que c'est des chips. Et qui sont ici, donc ça pique. Donc. Là. C'est très dur. Et c'est pas comme ça. Ah, mais c'est trop bizarre, on dirait des pâtes à la tomate. Ah ouais? Elles sont très villages. Ah, par contre, j'aime pas. Pas d'over comme ça, on peut plus fermer. Tu j'aime bien. Ah non, j'aime pas. On n'a pas les mêmes goûts en fait, non. Du tout. Mmh. Ah. On dirait un peu des pâtes que t'as laissées. 6 mois. 6 mois dans un micro-ondes. Attends, je goûte. Mais sinon, ça va. Non, j'aime pas trop. Pour ceux qui aiment bien les pâtes. Je préférais ces chips-là. Bref. Bon. C'est trop pour moi. Ah. Ça. Ah, c'est des petits champignons. On va goûter ça. Ça m'a trop intrigué, ça, je les voulais trop. Ah, mais c'est des bonbons. En plus, ça sent trop bon. Je voulais bien. Je sais que ça sent bon. C'est quoi qui se mange, ce qui se mange pas? Bah, je sais pas, c'est des vrais champignons. Ah, mais c'est du chocolat. Non, c'est du chocolat blanc. Ça, c'est bon. Ah, bah, c'est vraiment à la fin, il y a un arrière-goût. À la fin, il y a un arrière-goût. Bah, c'est peut-être tout ce que tu as mangé là. Non. En tout cas, ça, c'est trop. En tout cas, ce fantasme, je fais que d'embourg, il est vraiment bon. Par contre, les boissons, c'est vrai que c'est bon. Et ça, on n'avait pas goûté. Ouais, mais. Je me demande ce que c'est. Bon. Ça, là. Les pop-corn bizarres. En forme de coquillage. Ah, trop bien, il y a plein de paquets. Alors, on va goûter. Il fait très chaud aujourd'hui. Ah, ça sent un truc du McDo. Ah, mais ça, je connais. Mais c'est pas des popcorn. On dirait des crackers au fromage. Non. C'est bon, hein. Il y a un goût de fromage quand même. On dirait des apéritifs, hein. Ouais. Tout à fait, t'as géant. Mais ils sont bons, non? Tu peux manger tout le paquet? Non. Tu penses écrit quoi dessus? Je sais pas, boule de chien ou boule de chat. J'ai fait de semaine dernière. Ensuite, ça aussi. Alors ça, je sais pas comment ça s'appelle, mais ça m'a toujours intrigué aussi dans les vidéos sur Instagram. Tout ça. Là, il y a au melon ou à la fraise. C'est quoi ça? Ah, c'est quoi? Oxygène absorbant. Moi, je veux pas l'orange. Il y a quoi comme goût? Moi, je veux à la fraise. Et c'est lequel? Oui. Moi, tu sais. Bah, c'est marqué. Cranberry, orange et melon. Je prends ça. Mmh.
Ouais, c'est bon. T'aimes bien? Ah. Mais ce qu'il y a à l'intérieur, bizarre. On faisait de la date. Non, j'aime bien. Ah non. En fait, j'aime trop les trucs à la fraise. Oui, mochi. J'ai bien aimé. Ah non. Il y en a plein. Hein. J'aime pas. On va pas tous les goûter parce que c'est tous pareil. Bon. Qu'est-ce qu'on n'a pas goûté encore? Ça là. Ah, ça a l'air très bon ça. C'est pareil un peu, je crois. Mais avec du chocolat dedans. Bon, pour info, on est en train de tourner au campus, donc si vous voyez plein de gens passer devant, derrière, c'est un peu normal. Pourquoi plus de Grenoble? On n'avait pas d'appartement pour tourner aujourd'hui, malheureusement. À Saint-Martin-d'Air. Du coup, ça... Mais en fait, ça y est, dans tous les paquets. Hein. Je pense que c'est quoi? Bah, ouvre. Bleu. Besoin d'aide? Ouais, parce que moi, je sais pas ouvrir les trucs chinois. Désolé. Je ne passe pas les paquets. L'odeur. Ça va trop court. C'est quoi? Bah c'est quoi? Bah c'est du poison. Voilà, il y aura plein de gens dans notre vidéo pour apporter plainte. Hein, parce alors que... regardez, trop bizarre. C'est du truc noir, de la poudre noire. Ah, ça me donne pas envie ça. C'est de la poudre noire. Trop bizarre. Ah. Vraiment des trucs bizarres. Alors, bah c'est goûte bon la moitié. En fait, à ce moment-là, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas du tout bon. Mais je me suis dit que si j'allais lui dire, elle allait pas le manger. Donc je vais faire exprès que c'est super bon. Et vous allez voir qu'elle va bien le goûter. Ah ouais? C'est super bon. On dirait du chocolat. C'est complètement dégueulasse. J'ai fait exprès parce que sinon t'allais pas manger. Le goût du lait fermenté. Ah, c'est du vraiment pas bon. Dans les converses. Dans la vidéo, tu verras, je faisais exprès de prendre l'air. Je disais non, faut pas qu'elle mange. Et tu l'as mangé quand même. Comme dans les pommes. Bon, ben ça, les mochi cake, n'achetez vraiment pas parce que c'est dégueulasse. Je sais pas s'il n'y a pas de truc dedans. Du quoi? Du quoi? Bon, qu'est-ce qui reste? Ben il reste ça. Et les fortunes pour ça. Alors ça. Bon, du coup, on va goûter ça, là. Ça, ça a l'air bon. Ah ouais, ça, ouais. Il y en a que c'est clapard. C'est du chocolat, quoi. Des petites boules de chocolat. Alors. Ouais. On donne du Kinder Bueno. Mais bon, je peux pas en manger 5 encore. Mais ça m'écoeure. Bon. Tout m'écoeure. Et pour finir cette vidéo, les fortunés au King. On va savoir notre avenir. Tiens. Et ça, c'est juste de l'eau. On va goûter, attends. La limonade, je crois. Non, on va en voir fait, ce que c'est comme dans les films. Hein. Quand vous ouvrez, vous mangez le gâteau, il y a un produit, ça vit votre avenir. Dans les films, il ne les mange même pas, non, il les casse. Pas, ouais, faut juste les casser, en fait. Et toi? Non. Allez. C'est bon, c'est au citron. Allez-y. C'est en allemand. Alors. Attends, je prends ma meilleure voix anglaise. You will have a many happy days soon. Nombre de jours heureux t'attendent dans un futur proche. Trop bien, j'ai eu la meilleure phrase. À moi. Il y a la traduction en fait en bas. Ah. En français. Alors, l'échec est une réussite qui essaye de naître. C'est vrai. L'échec. J'ai beaucoup d'échecs dans ma vie et il y a toujours une réussite qui veut naître en moi. Genre. Ouais, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est la vérité. L'échec est une réussite qui essaye de naître. Voilà, voilà. Hein. Bah, en tout cas, je vous dis quelque chose. Bon, bah, du coup, c'est dans la fin de la vidéo. Bon, bah, du coup, je vous dis. On a goûté pas mal de trucs. Ça, par contre, on n'a pas goûté. Hein. Dégueulasse. Franchement, il y a la moitié des trucs, c'était dégueulasse. Il y a des choses qui étaient bonnes. Ouais. Quoi qui était bonne? Ça. Les champignons. Et le chocolat à la fraise, c'est trop beau. Attends, on goûte ça, non? Ouais. Tiens, vous voilà, puisque moi. En fait, je l'ai pris parce qu'il a goûté Pikachu.
c'est trop dur. Je crois pas que ça s'ouvre comme ça en fait. Ouais, parce que tu crois que t'as cassé un truc. Là. Ah, ça fait le mélange. Ça fait une bille dans l'eau. Et en fait, dans la bille, je crois que c'était ça le truc. Et du coup, comment on boit? Bah, je sais pas. Ah, bah, c'est bon comme ça en fait. Tiens, bois et puis je bois. Attends, je vais faire ça. Comment tu fais? Et très bien, en fait, il y a une petite bulle. Bon, watashi. Watashi. C'est de la limonade. La limonade chaude. Enfin voilà. Bon, bah c'est la fin de cette vidéo. Elle s'est mieux passée que celle de la dernière fois déjà. Franchement, les produits chinois. Mais c'est pas nous qu'on a préparé. C'est pas trop mon truc. Moi aussi, c'est pas mon truc du tout. J'aime donc, pas du tout. Voilà. En tout cas, j'espère que tu reviendras sur la chaîne pour une autre vraie vidéo cuisine. On fera un vrai truc cette fois. Je mettrai un petit sondage sur YouTube ou sur Insta pour savoir ce qu'on cuisinera. Mais on fera une vraie recette culinaire. Donc voilà. Quelque chose à rajouter? Juste une chose. Vive les Japonais. Bon, bah, c'était Liam Cooper et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.